Alors, la poutine de chez Montréal Station Hot Dog, c'est une poutine qui a la première qualité d'être extrêmement généreuse. C'est gros longtemps, la grosse, là. C'est gros comme ma tête. Elle est peu raffinée. C'est quand même un peu comme une bouillie. Il y a beaucoup de sauce. L'IPS est bon, donc les frites sont pas trop imbibées. Les frites, d'ailleurs, c'est probablement le point fort de cette poutine-là. C'est une patate rouge. Elle est très bien cuite. Elle est assez croustillante. Donc ça fonctionne bien. La sauce, c'est une sauce Berkeley en poudre qui a été un petit peu modifiée avec des épices et des ingrédients maison. C'est correct aussi. Par moment, elle est un petit peu gélatineuse. Le fromage, c'est lui que je modifierais un peu. Il manque pas de fraîcheur, mais il est un petit peu pâteux. Mais surtout, son gros défaut, c'est qu'il est élastique, là, il fond, on dirait un fromage gratiné. Donc, si le commerce avait choisi le fromage avec une étape de pasteurisation de plus, qui coûte un petit peu plus cher, mais qui fond pas, ça aurait été meilleur. C'est quand même une poutine acceptable, je lui donne un 7,5 sur 10.